Bonjour à vous, Azoul, bel après-midi, il est tout juste 14h04. Nous voici de retour dans notre studio Radio Alger, chaîne 3 au 21 Boulevard des Martyrs. Nous vous avons accompagné tout le long de la semaine passée en direct de la SAFEC. C'était évidemment le SILA, la culture, des livres. Eh ben, ils ont fermé les portes hier, hein, samedi. J'espère que vous avez pu profiter du Salon International du Livre. C'était la 27e édition. Dans quelques instants, nous ferons le bilan avec le commissaire du Salon du Livre, monsieur Iger Capus Libéré, qui va venir passer avec nous un petit moment pour nous dire en chiffres ou en influence, est-ce que c'est comme les éditions précédentes et qu'est-ce qui a été le plus vendu, qu'est-ce qui a été le plus où on a eu du monde. Je pense que c'était les conférences, il y avait des conférences très intéressantes. Et nous avons également un autre invité qui va nous parler de culture entre ici et ailleurs. Voilà, vous connaissez le programme, et on aura aussi un coup de téléphone à libraire à Grane qui va nous dire, lui en tant que libraire, comment il vit les journées du SILA et comment après il réouvre sa librairie. Est-ce qu'il a autant de monde? C'est la question dont il nous répondra, monsieur Agran. Il est 14h05, on s'installe et puis on revient vers vous. Mohamed Toualbi aux commandes et Amin Louli est là aussi pour nous saluer. Be happy, on est heureux de vous retrouver ici en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de nos invités. Évidemment, le SILA sera à l'honneur. On pourra faire un bilan avec Mohamed Iguerb, le commissaire du festival, et monsieur Aziz Guérou, il est auteur, compositeur. Eh ben, il va nous parler de son programme. Il s'installe tout de suite. Voilà, c'est du direct. Je pense que c'est streamingé chez Ikram. Elle voit tout ce qui se passe. Installez-vous, monsieur Iguerb. Merci d'être venu chez nous à Radio Alger Chaîne 3. Voilà, et de nous dire un peu comment on se sent après la fin d'un SILA, d'un Salon International du Livre, 27e édition. Les amoureux du livre étaient nombreux. Est-ce qu'en quelques chiffres, on peut commencer peut-être à le dire aux auditeurs? Donc, les Algériens aiment lire, hein, monsieur Iguerb. Ah oui, absolument. Mmh. Donc, le Salon International du Livre d'Alger est là pour contredire, justement, certaines thèses ou hypothèses qui disent que l'Algérien ne lit pas ou l'Algérien n'aime pas le livre. Mmh. Et bien, le Centre international du livre d'Alger est là pour démontrer tout le contraire. Oui. Preuve en est d'abord la fréquentation record. Oui. Jamais enregistré au Salon international d'Alger. Donc, une fréquentation sans égale, sans pareil. Ok, par rapport à l'année précédente, monsieur Iguerb, d'abord, oui. Qui est donc cette année donc, a atteint 4 300 000 visiteurs, okay. Contrairement à 3,5 millions l'an passé. Oui. Donc, c'est sans précédent. Franchement, c'est sans précédent. On a une explication? Très certainement. Le Salon international d'Alger est un événement. Donc, tant attendu, très attendu, tant par les lecteurs, les écrivains, les intellectuels, mais aussi les professionnels. Mmh. Et moi, je suis convaincu depuis des années, c'est que c'est un rendez-vous qui est incontournable, attendu avec impatience. Dans l'Afrique, je dirais. Tout à fait, et dans le monde. Bien sûr. Dans le monde. Oui. C'est un salon qui est désormais inscrit dans l'agenda international des salons du livre et qui est attendu maintenant tous les professionnels du livre, qu'ils soient lecteurs, éditeurs, écrivains, avec une impatience extraordinaire. Oui. On rappelle, beaucoup d'éditeurs étaient présents. C'était une participation record, en effet. Voilà. C'est une participation record qui a dépassé donc, les 1000 exposants, 1007 exposants, représentant 40 pays issus de 4 coins du globe. C'est un salon qui s'est étendu sur plus de 23 000 mètres carrés de surface. Et quand même 300 invités de grandes plumes, des invités, des intellectuels de renom, d'Algérie, du monde arabe et du reste du monde. Oui. Voilà un programme d'animation culturelle riche et variée aussi qui a accompagné cette exposition vente. Et toutes les salles, donc trois salles qui ont été consacrées donc à l'organisation culturelle, à la programmation culturelle, ont toutes connu un succès retentissant puisqu'il y avait un public fort nombreux et qui a assisté donc à toutes ces conférences. Et sans oublier aussi l'espace enfant, donc il n'est pas en reste puisque voilà, c'était une animation qui a été étendue sur une surface de 600 mètres carrés au niveau du pavillon à gaz. Il y a eu des visites d'écoliers, absolument. Le mardi, c'était donc voilà, il y avait donc c'est un espace qui est abrité donc un programme d'animation enfant. Sous forme d'ateliers de contes, d'écriture, mais aussi de dessin. Oui. De visiter tout simplement le SILA. Qui a connu une influence remarquable aussi, remarquable, et ce, 10 jours durant. C'était extraordinaire. Et les Qataris, ils en pensaient quoi? Voilà, donc l'invité d'honneur. Voilà, les Qataris aussi, qui était l'invité d'honneur cette année. Donc, a connu aussi un succès retentissant. Donc, un stand qui n'a pas désempli depuis 10 jours. Donc, c'est. Ils offraient même du
discuter au passant. Tout à fait. Il y avait une belle interaction entre les exposants, entre les aimants qui étaient dans le stand qatari, mais aussi avec le public algérien qui a été fort nombreux. Chaque jour, à tel point que l'invité d'honneur était extraordinairement étonné par cette grande affluence dont il n'a pas vu de pareil dans le monde. Et pour vous, Monsieur Higuerbe, quel est le moment fort de cette 27e édition? Qu'est-ce que vous garderez vous-même en tant parce que ce n'est pas facile, du 6 novembre jusqu'au 16 novembre, vous avez... C'était des moments intenses, en fait. Oui. C'était 10 jours de travail, très intense, mais aussi d'interaction, tant avec le public, avec les professionnels, avec les écrivains. C'était des moments extraordinaires, en fait. J'aurais dit que mon langage aurait été assez pauvre en comparaison de ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti, au fait. C'est extraordinaire. Et j'ai aussi constaté cela au niveau des exposants, mais aussi du grand public et aussi des organisateurs. Il y avait une espèce d'amertume le dernier jour. Les gens auraient voulu qu'il y ait encore une prolongation de cet événement. Oui. Vous imaginez, cela dénote donc un intérêt extraordinaire, une affection extraordinaire portée par tout ce public donc à l'égard du Salon international et qui venait de partout, d'ailleurs, on les a vus de toutes les wilayas. Et vous rendez compte, cette année, malgré qu'on n'a pas bénéficié de la rentrée scolaire universitaire et du 1er novembre... La date a été changée, il faudra l'expliquer, parce qu'il y a eu aussi les 70 ans de la guerre de libération nationale, qui a eu un très beau stand, très bonnes interventions d'historiens et de spécialistes. Tout à fait. Donc c'était une édition, la 27e, qui avait coïncidé avec les festivités, le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Révolution. Ce qui avait requis une programmation toute particulière, dont 70% à peu près du programme avait tourné autour de la thématique, autour de l'histoire et de la mémoire. Donc c'est un événement grandiose, sa coïncidence avec le 70e l'a très certainement rehaussé. Oui. Mais aussi la présence d'un pays qui n'est pas moindre, qui est le Qatar, donc un pays ami, un pays où les relations sont très denses, sont très fortes entre nos deux pays. Mais c'est aussi un pays qui connaît une très forte dynamique dans le monde de l'industrie du livre, de la culture et des arts de manière générale, et qui est aussi connu. Les problématiques ont été posées, tout à fait, dans le domaine du numérique, notamment l'archivage numérique. Donc leur présence était certainement une occasion pour eux, mais aussi pour nos spécialistes en la matière, pour échanger des avis, des connaissances, des expériences, mais aussi pour mettre en place des projets. On se tourne vers notre deuxième invité, M. Aziz Guérou. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà. Merci pour l'invitation. Alors, auteur, je vous en prie, auteur-compositeur, mais vous êtes aussi professeur. Temps partiel. Temps partiel, parce que vous êtes professeur-chercheur. Vous avez été à l'université de Bebzouar et actuellement, vous êtes à Montréal, mais vous êtes également, vous vous occupez d'une association culturelle, un groupe d'amis de la région de Montréal, entre Béjaïa et Montréal, l'association culturelle Asdaqiya. Sadiqiya, voilà. Ouais. Et donc, vous avez fait un tour, vous aussi, là, parce que je sais que vous êtes venu aussi depuis quelques jours. Vous avez eu le temps de tourner un petit peu, d'acheter des livres. J'ai fait quelques stands. Je dirais deux pavillons. Moi, j'étais un peu impressionné par le nombre de jeunes qui venaient faire la visite. Oui. Il y avait des petits enfants accompagnés par les écoles, organiser des sorties. C'est vraiment bien. Il y avait plus de 400 bus, au fait, qui ramenaient. 400 bus, Donc, ça confirme un peu. Et puis, il y a aussi une chose qui m'a attiré, c'est que le nombre de femmes qui venaient à cette exposition-là, j'en voyais apparemment beaucoup plus que de gens féminines que de gens masculines. Allez-y, M. Higuerbe. C'est quelque chose aussi qu'on a constaté lors des séances dédicaces. Oui. D'abord, il y a une émergence d'un certain jeunes plumes. C'est des jeunes qui sont La plus jeune poétesse, d'ailleurs. Qui en drainait un monde fou, un monde incroyable. Ils étaient tous des jeunes. D'ailleurs, à tel point qu'on a été contraint de faire sortir ou d'organiser ces ventes dédicaces à l'extérieur des pavillons. Parmi le grand monde là qui venait justement pour les séances de signature, en grande majorité, c'était des femmes, des filles. Mais il y avait aussi le phénomène Oussama Islam, les jeunes qui sont avides de ces romans fantastiques, je dirais. C'était un jour exceptionnel, M. Higuerbe. Tout à fait, malgré les pluies et tout ça. C'est une star qui est arrivée, donc on ne le connaît pas,
tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il a drainé beaucoup de monde, énormément de monde. On a pu faire quand même une séance de dédicace. Mais aussi, il y avait des jeunes, il y avait aussi des jeunes Algériens, des jeunes auteurs, des jeunes écrivains, des jeunes plumes, qui étaient fantastiques, qui étaient extraordinaires, qui ont drainé un monde incroyable aussi. Comme je vous le disais, d'ailleurs, on était contraints donc, de faire sortir ces séances, ou carrément donc, de les organiser à l'extérieur des pavillons. Parce qu'à l'intérieur, ça n'aurait pas possible. Mais finalement, quand l'idée... Mais c'est incroyable, ça. C'est... On n'a pas vu, par exemple, les éditions précédentes. Oui. Ben, voyez, je pense que, par exemple, certains auteurs et certains jeunes auteurs, et les jeunes, quand ils viennent, s'écrasent aussi au numérique, aux réseaux sociaux. Certainement. Qu'on connaît certains auteurs pour nous, alors Instagram, certainement, il fait sa présentation. Certainement. C'est un mode de communication très en vogue chez nos jeunes actuellement, effectivement. Ce qui nous a contraint, si je puisse dire ça ainsi, au niveau du CILAD, donc justement à mettre le paquet sur la communication digitale. Et ça a donné un effet considérable, extraordinaire. C'est vrai que les jeunes actuellement sont extrêmement réceptifs sur les réseaux sociaux, sur les communications digitales de manière générale. Même vous-même, hein, le commissariat de communication a bien communiqué. Hein. Donc merci, on était à Maria. Jour. Hein. Je veux dire, quand on cherchait une information, donc on salue toute l'équipe. Hein. Je ne me rappelle pas de tous les noms, mais il faut les saluer. On met combien de temps pour mettre... en préparation, et pour mettre tout ça, monsieur Eguerbe. Permettez-moi à cette occasion aussi de vous remercier. La chaîne 3 a été omniprésente dans toutes les équipes de la chaîne 3, comme chaque année, qui était présente, mais aussi à travers toute la famille des médias, de manière générale, qui ont extraordinairement donc couvert cet événement, notamment la 27e édition. À tout ce beau monde-là, je dirais merci encore, merci. Et pour ce qui est donc des préparatifs du CILA, évidemment, c'est des préparatifs dans longue haleine, donc qui prennent... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fermé la porte, mais vous avez commencé à travailler. On était à la SAFEX, je viens de venir à la SAFEX, en fait. Donc c'est 8 à 10 mois de préparatifs, très intense. Donc il y a une pléthore d'effectifs, plein d'équipes. À peu près, on a une idée. Combien? Eh bien, on commence toujours avec une vingtaine. Après, on finit pratiquement avec une centaine d'équipes, 100 à 120 personnes quand même qui travaillent. C'est une grosse entreprise. D'ailleurs, je pense que la TAM annonce en summum... et que ce monde d'organisation qui est sans fonction avec un mode en comité ad hoc ne pourra ou difficilement fonctionner dans les années à venir. Je crois qu'il est temps de l'institutionnaliser, donc avec une organisation en place, un organigramme, un effectif, un budget spécialement réservé aussi à cela. Et les chiffres le confirment. Vous savez qu'ils confirment actuellement. Dans sa place d'abord dans le monde arabe, en Afrique et en Méditerranée, comme étant le premier salon international du livre, mais aussi, il est devenu désormais le plus grand salon international du livre dans le monde, de par la fréquentation, la participation. Rappelez-nous le chiffre, M. Hubert, vous avez dit record cette année. Qui était de 4 300 000 visiteurs. S'il vous plaît, c'était 5 200 000 et quelques, c'est-à-dire desquels on a soustrait 20% donc, du personnel qui rentre, soit de la sécurité, de l'entretien, mais aussi tout simplement des exposants qui rentrent et qui ressortent des pavillons. Donc en enlevant 20%, on a atteint les 4 300 000 visiteurs. C'est jamais vu dans le monde, ça n'existe pas. Avant, il y avait les trois grands salons de monde qui étaient ceux de Buenos Aires, Tokyo et du Mexique. Mais en termes de fréquentation et de participation, on les a largement déclassés. Mais alors, qu'est-ce qu'on a une idée, monsieur Mohamed Eguerbe? Pardonnez-moi de vous dire aussi, il y avait des pics qui ont été enregistrés, notamment la journée du vendredi 15, qui avait dépassé les 800 000. C'était exactement 862 000 visiteurs. C'est incroyable! On n'a jamais vu ça dans cette internationale. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'on a le profil de ces visiteurs du salon international du livre, monsieur Eguerbe? Voilà, je vous disais que c'est maintenant, c'est un événement, c'est un salon largement porté donc, par le public algérien, mais aussi par les professionnels, qu'ils soient donc algériens ou du reste du monde. D'abord, par les opportunités qu'ils offrent. D'abord, ils constituent la rentrée littéraire par excellence, mais aussi le moment ou alors la durée où l'événement idoine. Donc d'abord pour y trouver des nouveautés qu'on ne trouve pas dans les librairies ou le circuit traditionnel de distribution réduction du livre, aussi des mais surtout à des prix super intéressants puisque l'État justement a exempté le salon international d'Alger de tous droits et taxes. Et tout ça justement pour permettre donc aux lecteurs algériens d'acquérir des livres à des prix super super intéressants. De même qu'au niveau de l'organisation aussi, au niveau du commissariat du salon international d'Alger, on exhorte aussi tous ces exposants donc à consentir des remises qui varient entre 20, 40, voire 70% les derniers jours notamment. D'accord, ça c'était bien pour ceux qui étaient là-bas le dernier jour. Monsieur Aziz... Attendez, il n'y a pas que la vente, l'exposition vente de livres, puisqu'il y a un programme d'animation culturelle riche, varié. Moi je pense qu'ils viennent surtout, monsieur Eguerbe, rencontrer leur
auteur préféré. Oui, oui, c'est des moments très intenses, très forts. Parce que c'est plus l'auteur qu'on voit sur le livre. On le voit en face de nous, il nous fait une petite dédicace. Et comme vous le savez très bien, c'est quel bonheur. Voilà, des moments très forts. C'est un bonheur inouï quand l'auteur, quand l'écrivain rencontre. Quand le lecteur rencontre son écrivain et vice-versa. C'est des moments intenses, si forts, extraordinaires. Mais aussi, il faut dire qu'il y a quand même un programme d'animation culturelle donc, qui a accompagné cette exposition en vente de livres, dans les trois salles donc, dédiées à cet effet, on connaît un monde incroyable, donc une fréquentation, une influence considérable. Alors, je me tourne vers vous. Présentation de votre association, Monsieur Aziz Guérou. Donc, Musique andalouse. Non, toutes les musiques, un peu de tout. Oui, un peu de tout. Alors, nous, notre association, elle s'appelle l'Association culturelle Sadiria Québec. Oui. Donc, c'est ACA qui est en diminutif. Oui. Donc, des gens qui viennent tous de Béjaïa. En fait, c'est ça. Donc, tous les fondateurs sont de Béjaïa et on a donné le nom de Chirsad Bjaoui. Pour ne pas faire long, donc on a dit Sadiria. Voilà. C'est la promotion du patrimoine matériel et immatériel algérien. C'est ça. Donc, nous, ce que nous faisons, nous sommes tous l'équipe de l'association des universitaires. Oui. Donc, on garde un peu le même standing, c'est académique. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on organise des conférences avec que ce soit des écrivains, des gens du cinéma, du théâtre, pour venir nous faire une conférence, non pas comme une rencontre question-réponse, mais vraiment une conférence académique. Oui. On avait organisé donc une conférence avec Wassila Tamzali, une femme qui est venue nous parler de son livre qui s'appelle « Éducation algérienne ». Saïd Yahya Chérif, on a eu qui encore... Vous avez aussi des humoristes, le dernier passage de Abidat, vous l'avez organisé. Kamel Abdat, on l'a ramené pour lui faire une réception de bienvenue. D'accord, ok. Donc c'est une autre équipe qui l'a ramené pour faire son spectacle. Il y a aussi des projections documentaires. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dernièrement, on a fait un hommage à Cheikh Amar Zahi. Et il y avait donc un vernissage, exposition autour d'un ouvrage qu'a édité M. Abdelkader Ben Damesh, qui était à l'ENAG. Et l'entreprise nationale des arts graphiques. Exactement. Donc, lui, il a écrit un livre sur Cheikh Amar Zahi. Mm-hmm. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec M. Salah Washek, c'est un scénographe. Oui. On a pris le livre, on l'a transformé en exposition avec des toiles, il y a du texte, il y a de l'illustration. On a produit un court documentaire sur la vie d'Amar Zahi qui a été d'ailleurs commenté par M. Ben Damesh. Et il y avait donc la conférence de M. Ben Damesh, vente dédicace de ses livres. Après ça, on a fait un spectacle de chansons, c'est un florilège de chansons d'Amar Zahi qui a été animé par Petit Mouh. Il y avait Kamel Aziz, il y avait Nassim Gadouche. Et donc c'était une soirée. Alors vous le faites dans des salles, le public algérien est informé, j'imagine il y a du monde, non? On diffuse un peu l'information sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc ça se passe très bien. On avait fait un hommage à Jamel Allam, on avait fait aussi Nesherifa. On a fait une projection de pièces théâtrales avec sur la révolution 71 de Cheikh Belhaddad. Et c'était donc celui qui avait écrit la pièce, Mohand Aitiril, qui est venu. Donc il nous a donc on a fait la projection et puis il a été à la disposition du public pour poser des questions. Voilà. Mais le principe, c'est donc faire découvrir tout ce qui. Alors en direction de quel public? Ultimement, nous, ce que nous voulons, c'est de faire connaître notre culture auprès des Québécois. Ça commence à attirer un peu de l'attention, mais 95% des gens qui viennent voir nos activités, c'est de la diaspora. Bien sûr. Et elle est nombreuse là-bas au Canada. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. Alors, on écoute une petite chanson, s'il veut bien. Celle de Aziz. Vous chantez également, vous êtes auteur et compositeur. Et ben voilà, par le concours des circonstances. Alors, comment on peut être professeur à l'université chercheur beaucoup plus qu'il faut. Chercheur. Alors, on écoute un petit extrait, vous allez nous dire à quel moment... Vous arrivez à écrire et à chanter, à composer, Monsieur Aziz Guérou. Ah,
14h28 l'instant culture. Alors monsieur Higa, vous savez, il a un PhD en chimie et expert en technologie de traitement des eaux, ancien professeur et chercheur à l'USTHB d'Alger et directeur d'un centre actuellement PDG au niveau d'une entreprise. Et vous aimez le chant et donc auteur, compositeur. Donc ça c'est votre deuxième vie, hein, je pense, monsieur Aziz. En fait, la chanson, je l'avais depuis l'âge de 6 ans. Okay. Vous en rajouterez une. Allez-y, c'est monsieur. Avec Aziz, voilà, on était d'anciens camarades. D'accord, c'est pas première aussi. Nouvelle, ok. Aujourd'hui, vous m'avez pas dit. Je vous remercie. Voilà. C'est pas mal, une belle rencontre. Vous savez qui chantait, monsieur années. Non, Higuère. Du tout, aujourd'hui, je découvre. Bon, c'est vrai, à l'époque, il fredonnait, okay. Il adorait la guitare, c'est il fredonnait dingue, les chansons et tout. Mais je ne savais pas qu'il a atteint ce stade qui est extraordinaire, ce niveau extraordinaire. C'est vraiment un plaisir et un honneur de l'avoir. Est-ce qu'on n'y pense pas à des activités culturelles en dehors du livre, au niveau du SILA, par exemple, des petits concerts de musique classique ou des petits... Je pense qu'il faudrait un grand espace à partir de là, monsieur Higuère. Eh bien voilà, comme je disais tout à l'heure, le Salon international du livre d'Alger a pris une telle dimension, une telle envergure qu'il requiert quand même d'autres espaces, des espaces encore plus importants. Et cela dit, nos amis d'Asafex n'ont ménagé aucun effort pour que justement le Salon international du livre d'Alger se déroule dans de très très bonnes conditions. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un jour donc un palais des expositions où tous les exposants seraient logés sous le même toit. Parce qu'actuellement, bon, il y a une très très forte pression sur le niveau central. Le pavillon central, voilà, c'est tout juste une surface de 7000 m², alors que nos besoins dépassent de loin les 23 000 m² de surface. Ok, 23 000. Voilà. Alors j'ai vu aussi que c'était très intéressant, il y avait des petits artisans et artisanes. Tout à fait, à côté. Tout à fait. Ça, c'était une très bonne idée aussi pour ceux qui avaient le tout temps. Tout à fait. Donc, ils pouvaient se balader, du tourisme, donc à travers des espaces d'artisanat qui ont été donnés gracieusement, octroyés gracieusement à des artisans. On connaît aussi une très, très grande influence et ça fait le bonheur des Bien visiteurs. Bien sûr, aussi. Je veux dire, on va dire Hadia ou Farja. On vient voir le livre et en même temps. Dites-moi, monsieur Higuère, il y a eu aussi de nombreuses conférences qui ont été données, qui ont donné lieu à de riches débats. Est-ce que ces débats, il y a eu des suites? Par exemple, je sais qu'il y a eu une conférence très intéressante sur le patrimoine. Il y a eu des experts de l'UNESCO. Est-ce qu'à partir de ces débats, on arrive après à se projeter pour prendre des décisions ou pour... Eh bien voilà, c'est bien dit, Badia. Donc, il y a une programmation extraordinaire, intense, très riche et très variée, surtout très équilibrée. Donc cette année aussi, le SILA a fait un effort considérable en mettant, en enregistrant l'ensemble des conférences, débats, rencontres et séances de poésie qui ont été organisées à l'occasion du Salon international du livre d'Alger. Ils sont à la disposition des médias nationaux, ils vont être des radios nationaux, sur YouTube, la télévision algérienne. Ils sont là, ils sont à votre disposition. Voilà, je crois qu'il y a de quoi faire un programme à longueur d'année. Très bons débats. Voilà. Et l'occasion aussi a fait qu'on a invité, on a vu la présence, surtout de hautes plumes, soit nationales, du monde arabe ou du reste du monde, mais aussi des personnalités amies d'Algérie, comme Nils Anderson et bien d'autres aussi, bien d'autres, de différents horizons, de différents pays qui ont été présentes avec nous et qui ont aussi animé des débats, des rencontres et des conférences et qui gagneraient à être reprise ou diffusée par les médias nationaux au grand bonheur du public algérien. Oui, des échanges très intéressants. Tout à fait. Alors, une petite pause, il est 14h32, on écoute une reprise peut-être, Harram Tahibek, vous allez voir, elle est remixée, celle de la diva Ward Al-Jazaria, vous allez apprécier et on revient vers vous. Est-ce que vous aimez cette reprise? Dites-le nous. Oui, moi je trouve que c'est bien, ça donne vie, encore une fois, cette belle diva, Ward Al-Jazaïria. Je salue son fils, Riyad, qui est à l'écoute, fidèle auditeur de la chaîne 3. Vous avez apprécié, monsieur Higuère? Super. Voilà, Ward Al-Jazaïria qui ne prend pas un ride, hein. Aziz Giro, vous écoutez. Vous aimez que le Chaabi. Les classiques, non, j'écoute un peu de tout. Hein. Quand on est artiste, on est très sensible à des belles choses qu'elle vient. Même de l'hindou, du chinois. Mais quand on est loin de son pays, on est sensible à quelle voix?
Les anciennes voix avec lesquelles on était familier, les Cheikh Al-Hasnaoui, Sliman Azem. Mais ça parle d'immigration, évidemment, et d'exil. Mais donc, la culture dans votre association, vous la présentez, mais même peut-être, je dirais, la diaspora, les jeunes Algériens, devraient aussi assister à vos conférences, à vos événements. C'est je notre dirais objectif, non, monsieur Aziz Guérou. C'est ça. Nous, ce que nous faisons chaque fois qu'on fait une activité, c'est libre pour tout le monde, même quand on fait un spectacle, normalement les adultes payent, mais les enfants non. Okay, pour pouvoir c'est justement pour pouvoir les attirer à venir découvrir un peu leur deuxième culture qui devrait être normalement la première, mais bon, ils sont nés là-bas. Oui, bien sûr, et donc ils ont, les parents peuvent éduquer, mais c'est bien aussi culturellement qu'il y ait des associations pour aider et accompagner. Exactement, pour les mettre en contact avec les. Tout à fait. Alors, c'est quoi le programme pour les mois à venir? Est-ce que vous l'avez tracé? Prochainement, dans les prochains, dès que je retourne, on a une conférence avec une écrivaine canado-italienne. Elle s'appelle Rita Amabili. Elle a écrit un livre sur l'histoire de son père qui est venu dans les années 20 s'exiler, en fait, comme beaucoup d'Italiens du Sud qui sont allés au Canada s'installer. Moi, quand j'ai lu son livre, j'étais fasciné par la ressemblance bien un sûr, peu des itinéraires, des immigrants. Donc, je me rappelais un peu ce qu'on me racontait sur nos immigrants établis en France, surtout. Les premiers qui partent. Et donc, j'ai dit, ça serait une belle opportunité de voir un peu, montrer aux gens que c'est des histoires un peu qui se ressemblent d'un pays à l'autre. Et puis, on va donner aussi l'occasion à une jeune artiste peintre pour faire un vernissage. Algérienne. Non, elle est portugaise. Ok. Donc, pour venir... le tout, ça va se faire dans une galerie d'art qui est détenue par un ami qui s'appelle Kamel Benidjar. Oui. Et donc, il nous ouvre à chaque fois sa galerie. Donc, on va organiser là-bas. Donc, on emmène un peu, on s'ouvre à d'autres cultures pour les ramener... Et c'est la Méditerranée. Et oui, voilà, donc ça. On reste mais, dans le mais bassin. Vous savez, ça se ressemble. Hein, parfois, les histoires peuvent se ressembler. Alors, il y a aussi un stand qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai vu, M. Mohamed Iguerbe, commissaire du SILA, 27e édition, évidemment, dédiée à la Palestine. Un stand aussi Razaoui, avec des experts et des participants comme Caroline Kennedy, comme Nels Anderson. Ça s'est très bien passé. Il y a eu une conférence, l'Algérie, terre d'histoire et de civilisation. Elle a été d'ailleurs animée par Mohamed El-Hadi Harach, académicien, Sliman Hachi, directeur du CNRPH. Donc les noms étaient très intéressants et les débats de haut niveau. Tout à fait, tout à fait. Donc on a réalisé donc un programme culturel donc en orientation donc des hautes autorités du pays, donc en soutien donc aux causes justes dans le monde. Et la Palestine, donc même si c'est chaque année elle est présente au salon, mais cette année c'est vrai que la Palestine était présente dans tout le SILA, dans le moindre coin du SILA, avec une présence remarquable et remarquée, donc à travers donc une programmation culturelle très dense, très variée, animée donc par des grandes plumes, des écrivains, des intellectuels et des artistes, mais aussi des poètes palestiniens. Pour rappeler l'engagement permanent de l'Algérie en tout direction de la Palestine, on va dire c'est Adaf l'Imen, mais c'est toujours bien de les avoir comme ça, tout à fait, de dire qu'on est tout de tout cœur avec tout eux. Tout à fait, tout comme aussi nous avons réservé donc une place de choix aussi à la présence sahraoui, donc à travers un espace dédié, très beau, très joli, mais aussi une programmation culturel, donc animé donc par des intellectuels, des écrivains sahraouis. Il y a eu aussi une soirée poétique qui était bien, c'était en mémoire du poète défunt Aboul Qassem Khammar, avec des intervenants très intéressants. C'est bien, donc on a essayé de pas oublier. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un soutien donc direct donc à la cause noble palestinienne dans leur combat contre l'occupant sioniste. Et c'est très franchement donc des espaces qui ont connu donc une très forte influence et un succès remarquable, remarquable. Voilà. Monsieur Iguerbe, on va avoir dans quelques instants un libraire qui va. Est-ce qu'il est là, Mohamed Toualbi?
Ah, on n'a pas encore la voix, voilà. Parce qu'on se posait la question, hein, tous les libraires se posent la question, on voit tellement de monde au niveau du SILA et que les librairies sont vides après. Et donc, c'était une manière un peu de dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que toute l'année, l'Algérien rend visite, va acheter un livre ou deux livres dans ses librairies? Ben voilà, bon, le Salon international du livre d'Alger, donc c'est un événement donc, qui est attendu, tant attendu donc, par tout ce beau monde-là, que ce soit les lecteurs, les professionnels, les éditeurs et tout. D'abord parce que par les nouveautés qu'ils offrent et à des prix super intéressants, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne trouve pas aisément dans les librairies et dans le circuit traditionnel de distribution du livre. Évidemment, bon, ces librairies gagneraient à être donc... pour ne pas qu'elles prennent vie, voilà, qu'on les déserte pas, voilà, qui est des... Bien sûr, mais il faut aussi qu'elles offrent des nouveautés, c'est important. Donc pour que le lecteur puisse rendre, pour que les lecteurs puissent rendre dans les librairies, il faut absolument qu'ils puissent trouver des nouveautés et aussi à des prix très intéressants, ce que n'offre peut-être pas l'importation pour le moment, mais aussi pas que, puisque même au niveau de l'édition nationale, peut-être que il y a aussi un handicap à ce niveau-là et en termes de distribution. La distribution est un maillon faible dans la chaîne du livre chez nous, comme dans le reste du monde, mais c'est vrai que chez nous, on l'a remarqué. Et ce, malgré les efforts donc, consentis par le ministère de la Culture et des Arts, à travers des facilitations, par exemple, en matière de transport, dont les factures sont remboursées pour les éditeurs donc, acheminant ou livrant donc, leur livre vers les régions lointaines d'Algérie, vers le sud ou la région lointaine d'Algérie. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même un effort à faire au niveau des librairies, mais aussi des éditeurs. Est-ce que le problème s'est posé, ou un débat a été proposé lors de ceci-là sur le problème du papier, monsieur? Il y a eu justement deux journées professionnelles. Vous savez, on peut pas concevoir un salon international du livre d'Alger sans parler des problèmes qui se posent. Voilà, sans intégrer donc des journées professionnelles donc ont été donc discutées toutes les problématiques liées donc à la profession, donc à la chaîne du livre, depuis le manuscrit, l'édition, l'impression et à sa distribution, à laquelle ont participé donc une belle brochette, si je puis dire ça ainsi, donc d'éditeurs algériens, mais aussi du monde arabe et du reste du monde. Voilà, donc c'était des débats passionnants à travers lesquels certainement qui vont sortir avec des plateformes donc de recommandations et qui seraient certainement donc proposées à acquis de droit qui en tiendrait compte certainement. Mais est-ce qu'on a eu une petite idée du nombre de livres, on sait le nombre de visiteurs, mais le nombre de livres vendus, on a une petite idée? Combien déjà, vous avez donné le chiffre d'ouvrages existants, présents aussi, là, M. Higuerle? Il y a quelque chose comme 300 000 titres exposés, et ce, tout genre confondu, tout genre éditorial confondu. Donc, que ce soit dans la littérature, l'histoire, les arts, le patrimoine, le livre universitaire, dans ses différents genres, le livre enfant. Mais alors, tout est disponible, et surtout, comme je disais tout à l'heure, à des prix super intéressants. Donc, je sais que c'est un salon qui brasse, qui constitue une véritable plateforme économique dans le livre notamment, puisque les gens y vendent énormément. À titre d'exemple, vous savez, les chiffres d'affaires que réalisent nos éditeurs, par exemple, durant la dizaine donc, du salon, on ne le réalise pas à longueur d'année. Et c'est pareil aussi pour les éditeurs étrangers qui viennent participer et qui voient leurs ventes se multiplier par exponentielle dès le premier jour. Le SILA, c'est là où on fait le meilleur chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est une énorme librairie à ciel ouvert, effectivement. Vous savez, il y a des titres, si l'État aurait permis la vente en gros, en demi-gros, il y a des titres qui disparaîtraient ou qui seraient épuisés dès les deuxièmes ou troisième jours, notamment les livres techniques, scientifiques et universitaires. Oui, tout à fait. J'ai eu la représentante de l'OPU qui m'a dit qu'il y a eu beaucoup de ventes. Monde qui sort chaque jour avec plein de sacs, voilà. C'est extraordinaire. Mettez vos casques, on prend un libraire au téléphone à 14h45 dans l'Instant Culture. Fateh Hagran, bonjour. Bonjour Badira. Merci d'être en direct. Merci d'être en direct avec nous. Alors une question, parce que vous intervenez au téléphone. Dites-nous, alors vous avez été aussi là, d'abord vous avez présenté votre nouvel ouvrage sur la poésie, mais en tant que libraire, quel est votre avis en dehors du SILA? Est-ce qu'on rend visite à votre librairie, rappelons qu'il se trouve du côté des Bananiers? Oui, moi je suis étonné par le nombre de visiteurs au SILA, parce que c'est pas cette façon à voir au niveau des librairies et on peine à
culture libre, yani, en tant que libraire. Surtout moi, je suis desservi, je suis dans un libraire de banlieue. Oui. Donc, ça marche pas beaucoup. On fait des animations oui. pour attirer un petit nombre de lecteurs, mm-hmm. Notamment en organisant des ventes dédicaces, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et aussi en intéressant les jeunes du quartier à la lecture. Oui. De la lecture, voilà. Oui, mais est-ce étonné oui, quand vous voyez le nombre, hein, c'est ça aussi là et qu'on ne le voit pas au niveau des librairies. Oui. Est-ce que c'est les prix ? Est-ce que le fait que peut-être certains livres coûtent plus cher et que les gens ont du mal peut-être ? Non, ce n'est pas un problème de prix. Mm-hmm. C'est une politique du livre, à mon avis, mm-hmm. qui est à revoir et à renforcer, à dynamiser, mm-hmm. parce que au fond, doit être intéressé à la lecture déjà au niveau de l'école, déjà dans son environnement immédiat. Mm-hmm. C'est là-bas où on apprend la lecture, c'est là-bas où le livre devient un produit recherché mm-hmm. par l'élève, par le prof. Mm-hmm. Pas de pacte entre les enseignants de la commune et la librairie du prince. On ne voit pas proposer des livres aux enfants. Mmh. À ce moment, on travaillera en fonction des désirs des uns et des autres. Mmh. Mais ce lien n'existe pas. Donc, oui. c'est toute une politique oui. du livre oui. à revoir, oui. à mon avis. Oui. oui, tout à fait, très juste. Alors, comment oui. vous faites vous-même, faites Hagran, pour rendre vivante votre librairie qui se trouve en banlieue du côté des bananiers ? Et ben, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des rencontres avec des auteurs, mais aussi, mmh. je fais une activité en direction des enfants et des citoyens du quartier. C'est d'ailleurs l'idée d'une création d'une association mmh. des amis de la librairie, mmh. où les citoyens du quartier sont partie prenante pour ramener leurs enfants mmh. à lire, et c'est gratuitement, c'est-à-dire que nous le faisons, c'est un travail de militants mmh. pratiquement. C'est une très belle initiative, Fatah Hagran. Allez-y. Je vous dis que c'est une très belle initiative. Absolument, oui. c'est ce que nous tentons de créer autour de la librairie, mmh. un truc, un espace culturel, mmh. attractif, mmh. etc. Oui. C'est pas facile, mmh. Souvent, ce sont des deniers que nous utilisons pour pouvoir maintenir l'activité de la librairie. C'est pas la joie. Oui, non, oui, j'imagine. Hein. Donc, vous avez oui. lancé votre appel. Vous avez raison. Hein. Il faut que les écoles aussi s'impliquent un peu plus pour oui. que les parents initient leurs enfants. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur le libraire ? Absolument. Juste une petite question à oui. monsieur le commissaire. Du salon, oui. j'ai écouté ce matin les informations comme quoi que des prix ont été décernés aux meilleurs livres. Tout au niveau à fait, de ce serait ma question. Il y a eu deux prix. Moi, la question que je pose, c'est comment on fait pour décerner un prix. Monsieur le commissaire a dit qu'il y a 300 000 livres exposés. Mmh. En une semaine, comment peut-on décerner ? D'accord, et bien la réponse, la réponse, ça sera à travers les ondes, parce que un petit peu la communication n'est pas très bonne. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci à vous. Rappelez-nous l'adresse pour que les auditrices et les auditeurs... Près de la cité des Bananiers, bâtiment 45, oui. Cité 260 logements, près du grand supermarché, je ne cite pas le nom pour ne pas faire D'accord, en tout cas, on a compris où est-ce qu'il se trouve. Ben, je vous souhaite beaucoup d'activités au niveau de votre librairie. Merci à vous, madame. Merci Fatah Hagran, 14h50, je me tourne vers vous. Alors, une question a été posée pour monsieur le commissaire du SILA. Mais salutations, cher Fatah. Oui. Je salue fort bien. Ben, c'est très simple. Donc, cette année, donc, parmi les nouveautés de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger, il y a eu deux prix. Le premier donc, était destiné donc, aux jeunes plumes, donc, dont l'âge ne dépasse pas 35 ans, et qui auraient édité leur premier livre durant l'année 2024. Mm-hmm. Donc, c'était un concours donc, qui a été lancé sur une période d'à peu près d'un mois et demi, et dont on a réceptionné
81 travaux. Donc voilà. Mm-hmm. Donc c'est, le choix n'a pas été fait parmi les 300 000 titres exposés, parce que parmi ceux-là, il y a les titres nationaux, mais aussi étrangers. Donc le concours était donc, en direction des jeunes écrivains algériens qui auraient édité donc, en 2024 leur premier livre, dont là je ne dépasserai pas 35 ans. Mm-hmm. Voilà, à ce titre, donc il y a eu la consécration de deux titres hier. Le premier, donc, le premier donc en langue arabe et le deuxième en thème azérite. Donc c'est un jury donc composé donc d'écrivains, d'intellectuels mais aussi d'académiciens qui étaient là donc qui se sont occupés de ce prix et qui ont donc finalement donc on finit par délibérer à l'occasion du salon. Le deuxième prix justement concerné. Enfin, donc le premier prix, donc il est là, donc ça, il a été initié donc par le ministère de la Culture et des Arts, et pour être exact, donc ça a été l'idée, donc Madame la ministre de la Culture et des Arts, Dr Soraya Mouloudji. Donc c'est un premier titre. Inch'Allah, il y aura d'autres titres, mais pour une première, c'est déjà, c'était pas mal. Donc c'est une manière d'exhorter, une manière donc d'encourager donc les jeunes plumes, donc à produire, à écrire et aussi à aimer donc le livre et quelque part à promouvoir la lecture publique. Le deuxième prix concerne le meilleur stand. Oui. Donc, il y a aussi donc, un jury qui est composé donc, des designers, d'architectes et de connaisseurs dans le domaine de l'architecture et des arts, donc, qui ont fini donc, par délibérer. Donc, et le stand du Qatar a été donc, celui qui a été consacré le meilleur stand de l'édition du SILA cette année. D'accord, voilà. Ok. Je pensais qu'il y avait l'ENA qui était pas mal. Oui, il y a pas mal de beaux stands. En fait, c'est très bien. Vous avez de très jolis stands, en effet. Très jolis stands. Quoi les critères? On les a pas, les critères. Il y avait beaucoup de critères donc, qui ont été cités nommément donc, hier, donc, à l'occasion de la remise des prix. Entre autres, c'est une très bonne idée. Ah oui, c'est une manière aussi d'encourager les exposants donc, à construire, à aménager des couleurs, des stands dans leurs couleurs, de beaux stands. Et au fur et à mesure, donner une belle image de ce beau salon, de ce bel événement. Je reviens vers vous, allez donner le mot de fin, M. Higuer. Dites-nous, M. Aziz Guérou, alors vos projets, si on veut, entre l'Algérie et le Canada, donc toute la diaspora algérienne. Le projet, on continue à faire des conférences et tout ça. Rappelez le nom de la page, peut-être, vous avez une page Facebook où les gens... L'association Saderia Québec. Voilà. L'association Saderia, Québec, si vous avez envie de participer, si vous êtes de passage au Canada. Et puis, en parlant du livre, on voudrait organiser l'année prochaine, 2025, quel que soit le mois, il faut trouver une date. Oui. Mais nous, on veut montrer la littérature algérienne au Montréalais, au Québec. Vous voulez organiser un mini salon du livre, un genre de musée temporaire qui va montrer un peu les différents auteurs. Livre, auteur, algérien. Vous êtes en train de préparer. On est en train En tout cas, vous êtes avec la bonne personne. Exactement. Merci, c'est une belle idée. En effet, je me rappelle, en 2019, donc, l'Algérie a été l'invité d'honneur au Salon de Québec. Chaque année, il y avait Un intérêt, il y avait un engouement extraordinaire. Donc, il y a une diaspora fort nombreuse donc, qui était là, demandeuse de tout ce qui vient d'Algérie, de toutes les publications, livres, tout ce qui vient d'Algérie. C'est formidable. C'est une très bonne idée. Écoutez, il y a la page Facebook. Et pour le SILA, Monsieur Mohamed Higuerbe, la 28e édition, ça sera, les dates vont revenir à ce qu'on était. Il n'y aura pas de changement pour que les gens puissent programmer. Début novembre, en automne. C'est une, vous savez, c'est des dates qui ne sont pas venues comme ça au hasard. Mmh, c'est des dates qui étaient donc mûrement étudiées, mûrement réfléchies, qui tiennent compte donc à la fois de l'agenda international des salons du livre, mais aussi des rentrées scolaires, sociales, universitaires. Mais même du temps, en fait. Mois d'octobre, à la fin de mois d'octobre, c'est le temps inclément, il fait beau. Donc, on a tenu compte de tout ça. Donc, effectivement, on gagnerait aussi donc à reprendre le premier jour, le 1er novembre, donc au milieu, qui est quand même une journée sacrée donc, pour nous les Algériens. Et qu'il y a de belles conférences qui se passent. Et les rentrées donc, scolaires universitaires qui permettent donc, à des familles fort nombreuses de venir des fins fonds d'Algérie. D'autant plus qu'on a remarqué que le visiteurat du salon était composé de 80% donc, de familles. Et c'est pour ça donc, ça leur fait une sortie, titre, d'ailleurs, M. Higuer. Qu'on a consacré un pavillon. Heureusement qu'il y a eu l'Étusa, il y a eu Tramway, il y a eu métro. À la littérature enfant et jeunesse qui était donc le pavillon à Galles. Donc vous voyez la forte fréquentation, l'énorme fréquentation qu'il y a au salon. Et ça sera les lecteurs de demain. On s'était dit pour faciliter donc l'accès au lit à ces genres, aux livres enfants et jeunesse, pour ces familles-là. Donc on a consacré un pavillon entier.
Vous pensez à une idée de l'invité principal? Il y a un thème, qu'est-ce qui sera dégagé? Voilà, une réunion doit se faire. Il est de tradition au salon. Quand il accueille, l'année où il accueille un pays arabe ou africain, l'année qui suit, c'est un pays étranger et vice-versa. Donc on verra, mais c'est aux autorités compétentes en général donc de décider de quel pays qui sera à l'honneur. D'accord, et bien repos mérité Mohamed Iguerb, je rappelle que vous êtes commissaire du salon. Je pense pas qu'il va se reposer parce qu'il y a toujours l'après. Oui, là déjà... vous savez, c'est toujours un plaisir extraordinaire de participer. Vous êtes un peu plus serein par rapport à quand je vous ai rencontré aussi, là vous étiez comme ça, très occupé, très affairé. On est tiraillé au fait tous les jours à longueur de journée, c'est vrai, il y a une très forte demande au salon pendant les préparatifs, les longs mois de préparation. Mais aussi durant le salon, c'est extraordinaire. Il y a un engouement, il y a une effervescence extraordinaire. Les gens à laquelle il faut faire face. Image, il n'y a pas une image que vous pouvez retenir. Ben, vous savez, tout était intense. Surtout le moment fort, le jeudi, donc 15 novembre, quand on avait enregistré plus de 860 000 visiteurs. C'était extraordinaire. Les moments de forte dédicace aussi, malgré les pluies, c'était intense. Mais aussi, il y a aussi un hommage aussi qu'on a rendu donc à un enfant du Sila. Au grand écrivain et journaliste, monsieur Farhani Amzian, c'était des moments très émouvants. Tout à fait. Et pour vous dire toute la vérité, j'ai même pas pu assister, j'ai pas su retenir mes larmes, c'était très fort. C'était un acteur important d'ici là, monsieur Farhani, qui nous a quitté. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant moins de 14 ans. C'est un enfant du Sila, c'est quelqu'un qui a vu naître le Sila et auquel a participé pour son dynamisme et son développement. Et ce n'était que. C'est bien d'avoir pensé à lui et de lui avoir rendu hommage. En tout cas, c'est vrai que c'était un moment fort. C'est vrai qu'on a senti un vide, d'habitude, entre les écrits, entre ces conférences qu'il animait. Il y a des êtres qui vous manquent. On salue sa mémoire. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage, monsieur Mohamed Iguerb, pour la suite des événements. Merci, Badia. Vous avez du travail encore. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, à toute l'équipe qui vous accompagne. Voilà, toute la radio télévision Algérie. Voilà. Et je ne manquerai pas l'occasion aussi. Sans remercier donc le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui nous a accordé donc son Samia, donc le salon du livre a été donc donc le salon du livre, le salon international du livre d'Alger, donc s'est déroulé sous le patronage du président de la République. Donc merci. Mais, nous remercions aussi madame la ministre de la Culture et des Arts, docteur Souraya Mouloudji aussi, qui n'a ménagé aucun effort donc pour nous assister, pour nous orienter, et ce durant le premier jour du salon jusqu'au dernier jour, mais également toutes les institutions. Et tous les éditeurs, tous les libraires, tous les lecteurs, de la sécurité, mais tous aussi les amoureux des livres. Voilà, du transport, de la DGSN, de la gendarmerie nationale, des douanes nationales, et tous les partenaires donc, qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés à l'occasion de cette 7e édition du Salon. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'aller du côté de la SAFEX et de tourner là où il y a du beau et du beau livre. Merci à vous, Mohamed Iguerb. Merci à vous, M. Aziz Guérou. Merci à Mohamed Toualbi qui a assuré le direct. À la réalisation. Et puis, je vous dis au revoir demain, même heure, même station, Yemnach. Au revoir.